Et coucou mes petits carlins, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés, désolé. J'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps. Le lancement de la Millennium TV Clash, dont vous pouvez me retrouver régulièrement dessus, avec les amis Trapa, Lyra, Doc Jay-Z, Cassio, Airwave, Zimet, enfin bref, la famille. Nouvelle chaîne qui est sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous voir, la Millennium TV Clash sur Twitch. Et du coup, comme ça va, j'étais un peu occupé ces derniers temps. Et voilà, on va se faire aujourd'hui une petite vidéo donc sur un deck assez sympa, le Bouliste Cimetière Gel. C'est assez fun à jouer, ça peut faire des combos assez rigolos et c'est plutôt efficace. Personnellement, je vous le conseillerais plutôt en tournoi qu'en ladder, même s'il y en a qui s'en sortent très bien en ladder avec ce deck-là, qui est la deck sur le genre de Lupanji. Je pense que vous connaissez l'animal, évidemment, un bon joueur. Donc voilà, bon, moi je le maîtrise pas du tout à la perfection, mais je m'en sors à peu près, et du coup, on va le tester. Et pour ça, eh ben, rien de mieux qu'un petit tournoi à 10 KGM, qui a été organisé très généreusement par le clan Wabit, apparemment. Donc ils recrutent, voilà, donc les Wabit recrutent, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou, merci à eux pour le tournoi, en tout cas ça fait plaisir. Et il y a du beau monde, hein. Il y a vraiment du beau monde dans ce tournoi, il y a quasiment tous les gros joueurs qui sont là. Donc à quart peu de chance, je ne vais pas tomber sur les gros pendant la vidéo, et je vais peut-être pouvoir gagner des games, mais ça, rien n'est moins sûr. C'est parti les potos. Alors. Daisy, the Angel of Death. Bon, je ne connais pas le clan, c'est plutôt bon signe, avec un peu de chance, je vais peut-être m'en sortir. Toujours mieux que de se prendre Lupanji au premier match. Commençons par un petit bouliste des familles. Ok, donc du coup, regret. Avec ce qui vient de pop derrière. On va congeler. On va congeler sinon je vais prendre trop cher. Là, on essaie d'éviter de prendre un coup de balance. C'était chaud, mais ça va. On a réussi à défendre avec le petit gel défensif. Ça aurait pu être pire. Alors on va gratouiller un petit peu les deux tours. Ok. Ça s'est pas trop mal passé pour ce premier push. Là on va mettre le golem de glace en défense. Pour tanker tranquillement la mousquetaire. Alors la pierre tombale évidemment qu'on va placer par là-bas pour éviter le cochonou des bois. Hop, avec les petits archers là-bas. Copain bouliste. Hop. Ok, ça nettoie. On pourrait potentiellement envoyer le cimetière tout de suite. C'est un peu grid, mais ça peut le faire. Enfin, je vais pas utiliser le gel tout de suite à l'offensif. De toute façon, il sait ce que je joue en face. Donc ouais, il défend quand même très bien mon cimetière ici. Ou le mien qui était pas très bien placé. Ok, superbe, il ne sert absolument à rien cette gargouille. Ok. Normalement, on ne va pas prendre de dégâts avec le ballon. Ça passe. Ça passe. Ensuite. Bon, c'est peut-être temps de commencer à faire des dégâts. De toute façon, avec ce deck-là, vous n'avez pas envie de prendre une tour trop rapidement. Si vous prenez une tour trop rapidement, après, vous êtes un peu choqué déçu. Je vais continuer de m'attaquer un petit peu des deux côtés, j'imagine. Le bouliste pour défendre, ce cochon, en plus de la tank drone. Le bouliste qui a tiré à côté, très bien. Ça arriverait des boulistes de qualité, j'ai envie de lui dire, pourquoi pas. Et là, on va pouvoir commencer le combo, le cimetière, plus le gel. Ah, ça, on va quand même essayer d'éviter de faire notre tour là-dessus. Il est quand même un petit peu cher à ce coup-là. Pas la grosse sur le ballon. Aïe. Le cochon ballon, c'est quand même un deck assez surprenant. Faut quand même le dire. On s'y attendait pas trop. Ok. On est parti à l'assaut. Je vais passer cette fois-ci. Ça va être très tendu. Ouais, le petit gel qui passe. Les dégâts. C'est tendu. Mais on peut le faire. On met le ballon par là. Je vais qu'il mette un coup. C'est chaud. A chaque fois, on passe pas très loin de la correctionnelle au niveau du ballon. Allez. Oh, il est
Zap. On gratouille, on gratouille, on gratouille au petit squelette. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ok, on va voir ça. On va certainement avoir le cochon qui va aller avec, j'imagine. Oh, ça pour la défense, ça passe. Un peu de choses près. On évite de se prendre le coup de cochon. Hop, hop, oups. Non, non, oui. C'est chaud. Alors, où est-ce qu'il va nous congeler cette fois-ci? Non, il n'y a rien. Oh, coquin. C'était chaud. Bien joué à toi, mon poulet. C'est détendu. Elle était bien tendue, celle-là. Il a bien joué. Il jouait avec très original. Qui était pas dégueulasse, hein, faut quand même le dire. Bon, ça nous fait quand même une victoire de qualité, n'est-ce pas? Bon, les gens ont eu le temps de faire deux games pendant qu'on en a fait qu'une, évidemment. Et ça, c'est un autre problème. Nous voilà 75e. Formidable. On y retourne. Paris B, des Bloodmakers. Hey. Bon chance. Ah, il pleure. C'est parce qu'il a peur d'affronter le grand JS. Oula, trois mousquetaires, ça va pas me faire des masses. Ah, ce serait le cochon 3 moumous. Pour l'instant, je n'ai pas de. Je n'ai pas de réponse sur le sujet. Je sais qu'on va défendre avec ça. Plus simplement le gel. Hop, les zap par là. Le cochon a réussi à le défendre. Et les mousquetaires, évidemment, le boulis qui a tapé à côté. Ce qui fait forcément extrêmement plaisir. Essayer de prendre le moins de dégâts possible. Ça se passe. Ça se passe, ça se passe. Maintenant, il sait à peu près ce qu'on joue, j'imagine. Nous, on sait qu'il joue cochon également. Donc, le cochon qui revient quand même vachement à la mode. Plus en plus de cochon. Ouais, c'est ça. C'est le cabane de barbare 3 mousquetaires. Qui n'est pas forcément le deck fétiche, on va pas se le cacher. Pour affronter, je pense, avec ce deck. Ah merde, il a pris ma tombstone, ça c'est très relou. Les trois mousquetaires là-bas qui sont là quand même un petit peu hostiles. On va utiliser le gel de cette manière-là, plutôt défensif. Pour le coup. Ah, la tombstone n'arrive pas à temps. Arrive. Très cher. Très très cher. On va essayer de tanker au maximum encore une fois cette saloperie de mousquetaire. Ok. Pour l'instant, on n'est pas mieux. L'ami Paris B est en train de nous la coller hein, pour l'instant, faut quand même le dire. Repartir au boubou. On va split un peu nos archers. On va défendre un peu des deux côtés. Éviter de prendre trop de DPS. Alors, est-ce qu'on tenterait pas un petit cimetière et du coup on en profiterait pas pour jouer tout ça en même temps? Ah ok, il y a le golem de glace qui est très embêtant. Ça a bouché l'épée. La défense qui passe pas trop mal. On va redéfendre ici. Ah, il met quand même un coup de mousquetaire, ça c'est un petit peu dommage. Un peu déçu. Il défend bien le coquin des bois, il défend très bien. Ça devient très embêtant. Ça, j'ai un autobus qui arrive sur moi, un peu hostile. On essaye de détourner un petit peu. Mais c'est chaud. Ok, on arrive à couvrir en défense. Peut-être que je me fais cimetière d'abord. On nous remet encore, évidemment, sa saloperie là-bas. Allez, laisse-moi passer. Non, il veut pas. Je pensais pas peu déborder.
Elle est tendue, putain, les games sont tendus dans, dans cette vidéo. Mais qu'on pas le temps. Alors, on a un cochon. On fait ça. On prend contre deux. Ah là là, bien joué. Well played. Et on a perdu, c'était chaud. C'était tendu. C'était tendu. Mais il nous a eu, le petit coquin. Bien joué à lui. Et allez, on va se faire une troisième petite game ensemble. En espérant gagner cette fois-ci. Ah bah tiens, merde. Un pour d'e-sport. Script. Bon, Script qui est un excellent joueur. Donc là, pour le coup, autant vous dire que normalement, je devrais me faire massacrer. Si tout se passe bien. Mal, plutôt. Ok, alors qu'est-ce qu'il joue, Script ? Cochon, j'imagine, encore ? Ah non, ok, c'est un dégrattage. Petit update, certainement. Le petit coquille des joueurs. Ouais. On va essayer de gratouiller un petit peu pendant ce temps-là. Avec nos petits squelettes des enfers. Rien de ouf. Rien de foufou, les poteaux. Ça commence à sentir un petit pelon aussi, tout ça. On va pas le laisser trop me gratter. Pas trop le choix. Comment est-ce qu'il y a des fins de boulistes? Ok, ça fait des œufs. T'es deux qui font un bon boulot aussi. Maintenant, un peu, je peux nous suffire si on a un peu de réussite. Ok. Allez, on est dégagé. Non, oh, je zappe en plus, quel idiot. Quel idiot. Ah, ce misper. En plus, ah ouais, il a le poison qui nous fait extrêmement mal. Bon, on va rentrer dans l'extra time, on va devoir tenter de sentir YOLO. C'est ma seule chance de revenir. Il va certainement les archers. Ah non, il met le golem, ah merde. Ah, et je gèle le golem. Et pas les archers. Oh là là, alors là c'est la réponse intégrale. On se fait un petit peu de dommage sur ce misplay. Un peu choqué déçu. Lui va continuer de nous gratter toute la game, évidemment. Ah, mais ah, je me suis trompé de carte. Voilà, ça s'est raccourci le clavier, malheureusement. Un peu décevant. Tentons le comeback d'une vie. Cette fois-ci, il n'a pas l'air d'avoir son golem de glace. Ça arrive un petit peu tard, mais les dégâts qui sont pas si dingues que ça, malheureusement. Et j'ai bien peur que ça ressemble à une défaite. Le poison qui fait 250. Et là, il est mort. GG. Bien joué mon petit Script, comme ça des doigts. Allez, on va essayer de se refaire, on va refaire quand même une petite game encore, je pense. La vidéo est pas trop longue, ça va, elle fait combien de temps? Je ne sais pas. Mais on va dire que c'est pas grave, au pire, enfin, je vais voir un peu plus longue. Un TT casseur. Donc c'est le petit clan de TT flingueur. Ouais, c'est déjà mieux que 1 2. J'essaie de faire au moins 2 partout. À 2 partout, ça me va. Ok. Ok, alors là, par contre, il va bien s'exposer au cimetière gel. On a loupé un Skulls, mais au final on lui a quand même fait plutôt des dégâts. C'est pas trop mal passé. Petit avantage ici. Encore une fois un deck grattage à base de mineur. C'était assez embêtant. Les pauvres archers qui viennent de décéder dans l'atroce souffrance. Je vais mettre la
perdre ton balle pour te planter sa tombstone. Par contre, ce serait bien qu'elle vomisse un peu plus de squelette. Voilà. Merci à tombstone. Tu es belle. Ok, il vient encore de sortir ses archers. C'est quand même un de ses meilleurs counters. Ah, un mon deck. Ouh, roquette. Ah oui, il a vraiment un deck très 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 grattage. Comme ça, ça peut suffire au niveau des dégâts. Ouais, c'est pas loin d'être passé. Maintenant, par contre, il va falloir que je tue ça également. Ok, on va réussir à prendre l'agro sur le golem de glace. Hop, les archers qui nous mettent bien. 50 secondes encore à tenir. Il va falloir bien défendre parce qu'il va certainement renvoyer un mineur très prochainement. Pourrait s'avérer hostile. On attend le mineur par là. Un peu le plan. Comment est-ce qu'il va le défendre ici? Si on va se contenter de jap, ça devrait le faire. On a pris des dégâts par contre. C'est chaud. Il va falloir bien tenir ici. Là on va passer en mode full défense. Ah oui c'est vrai qu'il joue roquette, merde. Repensez loin. Ça passe. Bien joué mon poulet. C'était chaud. Oh elle était tendue celle-là les potos. Elle était tendax, mais on a réussi à s'en sortir, donc ça c'est cool. Donc voilà, bon on fait du 2-2, c'est pas trop mal. Le tournoi quand même, voilà, avec un très bon niveau, et moi je suis vraiment pas trop un gros joueur de tournoi. Hein. Suffit de voir mon profil pour vous rendre compte que je suis loin d'être un ouf en tournoi. 1970 games pour 4700 cartes, c'est quand même pas ouf. Mais bon, c'est jamais que rien, c'est positif. Bon, bah sur ce, mes petits carlins, je vais vous faire des gros bisous et je vais vous dire bah, très très bientôt parce que là, à partir de maintenant, je vais essayer de tryhard un peu YouTube et de vous ressortir des vidéos quasiment tous les jours. Même tous les jours, si ce serait même très bien. Je vous rappelle encore que vous pouvez dès maintenant suivre la Millennium TV Clash Royale, MTV Clash. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo sur laquelle bah, vous aurez voilà, beaucoup de programmes avec plein d'animateurs super cool et on va essayer vraiment de vous proposer quelque chose de sympa. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!